Le territoire du Canada se transforme considérablement au tournant du 20e siècle parce que cette période est marquée par la création de provinces et de territoires et par le redécoupage de certaines frontières. En 1896, on découvre de l'or près de la rivière Klondike dans les territoires du Nord-Ouest. Cela provoque une ruée vers l'or qui attire un grand nombre de personnes. 2 années plus tard, soit en 1898, les autorités décident de créer un territoire distinct qu'ils nomment le Yukon afin de leur permettre de mieux gérer les gens qui affluent à cet endroit. Toujours en 1898, une autre partie des territoires du Nord-Ouest est cédée à la province du Québec par le gouvernement fédéral. C'est un territoire qui est alors presque inhabité, mais qui sera développé après 1910, c'est-à-dire après l'ouverture de l'Abitibi à la colonisation. Les territoires du Nord-Ouest sont modifiés de nouveau quelques années plus tard. En effet, la population augmente rapidement dans le sud de cette vaste région à cause de l'inauguration du chemin de fer du Canadien-Pacifique et de l'adoption d'une politique qui favorise l'immigration. En 1905, on crée donc 2 nouvelles provinces à partir de ce territoire, la Saskatchewan et l'Alberta. Ces 2 provinces comptent alors chacune plus de 250 000 habitants. Finalement, la même année, le district de Kiwatin est intégré au territoire du Nord-Ouest. À partir de 1907, le gouvernement du Québec fait des démarches auprès du gouvernement fédéral pour que l'Ungava, qui est un des districts des territoires du Nord-Ouest, soit annexé à la province. Après de nombreuses négociations, entre autres sur le sort des populations autochtones présentes sur ce territoire, l'Ungava est rebaptisé le Nouveau-Québec. Il est transféré à la province en 1912. L'Ontario et le Manitoba se font aussi céder une partie importante des territoires du Nord-Ouest en 1912, ce qui leur permet d'atteindre leur superficie actuelle. La frontière entre le Québec et le Labrador est contestée à partir du 19e siècle parce qu'elle n'est pas clairement définie. En 1902, un conflit éclate entre les 2 parties en lien avec les droits de coupe de bois près de la frontière. À cette époque, le Labrador est un territoire qui relève de la colonie de Terre-Neuve qui, elle, est encore sous le contrôle des Britanniques. C'est donc le Conseil privé de Londres qui tranche finalement la question en 1927 et qui fixe le tracé officiel de la frontière. Par contre, la partie sud de cette délimitation n'est pas encore reconnue par le Québec, même encore aujourd'hui. Dans les années 1940, les Terre-Neuviens veulent s'émanciper du pouvoir britannique. Ils organisent donc 2 référendums pour déterminer comment ils vont procéder. Ils choisissent finalement d'entrer dans la Fédération canadienne en 1949, ce qui fait de Terre-Neuve et Labrador la 10e et dernière province à se joindre au Canada.